On peut pas jouer sans le mode tactique sur Dofus, déjà. Impossible. Sans le mode créa, ici, visiblement, il faut vraiment avoir l'œil sur l'invocation. Ah bah, j'ai oublié de me soigner, comme ça. On va changer un peu le gameplay. Ah, bah tant pis. On va changer un peu le gameplay, là. Je vais faire autrement. Je vais setup des bombes et je vais tout faire péter. Le problème, c'est que je peux pas en fait faire comme ça. Je peux pas faire comme ça, c'est pas possible. Je dois tuer les mobs en premier. Ok. L'art est explosion. J'ai la ref, j'ai la ref. Daedra. Ok. Je devrais demander des cours de Roub à Mowgli. J'avoue. J'avoue, Mowgli. Hein. Je suis le roi de la jungle, non. Faudrait que je tape ici. Il m'a trouvé, je crois. Il me manquera le kill du Kohan. Bah non, hein, ça marche toujours pas comme ça, Puncito. En fait, le fight, je l'aurais plié il y a 600 ans. Enfin, là, ça fait 50 minutes que je rec. Je l'aurais plié il y a 50 minutes, le fight, si je devais pas faire dernier. En remarque. Pardon, j'ai dit dernier, mais spécial. Remarque, j'aurais quand même peut-être galéré quand même plus, en vrai de vrai. Là, la seule difficulté réside surtout dans le fait que je peux pas faire péter mes bombes. Il y a toujours un Hashimagari à côté. Je peux utiliser un mur, sans souci. Je ne peux pas faire péter. Meurs, meurs, on fait le tour. Vas-y, barrez-vous les hachis. Ah, ah, ah. Ouais, il faudrait que tu meurs maintenant, ça serait cool. Ouais. En vrai. Fais-moi une bombe. Ouais, genre celle-là, là. Non? Ils veulent pas, hein. Ils veulent pas me faire tuer une bombe. Après, j'ai le roublabot. Il pourrait faire péter le Kohan, péter la gargouille. Pas d'Hashimagari dans la zone. La déto, il lui faut une ligne de vue. Mais ce n'est pas un problème. Boum!
Ils sont tous morts. Alors, il y a quoi maintenant? Hein? Il manquera plus qu'à tuer le boustache. En fait, c'est vrai que la position du compagnon nous embête pour le Kohan, mais par contre, elle nous aide beaucoup pour éviter que les Hashimagaris nous soient invoqués sur nous. Et le boss, s'il nous met moins 100 PM, c'est fini. Hein. C'est ça le problème. Là, il faudrait que je puisse mettre une invo, n'importe laquelle. Un truc comme ça, genre, même une invo comme ça, tiens. Et ici, on fait un double pulsar. 1, 2. Ah, fuck, putain! Ça y est, c'est foutu. À moins que j'arrive à m'en sortir en termes de survie, mais... Mais j'ai un Hashimagari qui met moins 100 PM. Une bombe qui est morte. Pas le droit de le taper, on rappelle. Si je fais une botte... Oh, remarque, attends. Botte. Bombe. Et voilà. Elle me mettra plus moins 100 PM, là. Normalement. Ok. J'avais pas les PA pour mettre une bombe feu, mais... Ah, il y a un Hashimagari qui est en plein milieu, là. Sinon... Ah bah, elle est morte. Sinon, j'aurais pu faire une ligne. Si je mets deux coups de pulsar. Deux coups de pulsar et une bombe feu. 1, 2. Voyons voir les dégâts en prévisu. 60. Ouais, ça peut valoir le coup. Ok, ça me semble legit. Bonsoir, le solo Ulysse. Salut Décro, comment tu vas? Je crois qu'on est bon là. On est sur la victoire. Hein. En vrai, ça fait vraiment plaisir parce que j'en avais vraiment marre de faire le fight sans le mode tactique. Je vous retiens le chat. Je vous retiens. Je vous retiens. Non. Ah, vite. Je failli pas prendre le screen. Allez, le full succès. Et la difficulté ici, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est qu'on était déjà en train de faire le full succès, mais surtout qu'on était obligé de jouer avec, enfin, sans le mode tactique. Il rend vraiment la chose tout de suite plus difficile. Merci pour les GG dans le chat. Alors, moustache.